Oh bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du coup sur le Let's Play sur Last Day Alive. On va avancer dans le jeu, vous allez voir, j'ai trouvé, enfin c'est pas que j'ai trouvé, je suis tombé par hasard dessus. Mais en fait, on peut acheter des armes. Je vous avais dit au dernier épisode qu'en fait je m'amusais à aller dans le scénario et à farmer du coup le gold sur les quêtes illimitées. Et en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait acheter des armes. Du coup en fait j'ai acheté ce Philip Breach. Parce qu'on avait le pompe de base qui tirait du coup 5 balles, et ensuite j'ai acheté ça qui tire que 2 balles mais qui est méga puissant. Et en fait, je me suis rendu compte que les armes, vous voyez, il y a écrit Philly Breach, peu importe comment on dit, j'en ai aucune idée, R2R4, et à côté il y a des étoiles. Et en fait, on peut améliorer ce nombre d'étoiles, et du coup, la puissance de l'arme va évidemment augmenter. Et en fait, pour l'améliorer, il faut trouver des pièces d'armes. Et les pièces d'armes, on en trouve soit dans les JCJ, soit dans les caisses. Alors, je suis pas sûr parce que. Pour ceux qui ont testé le jeu, il y a des caisses gratuites. Du coup, on peut en ouvrir une toutes les 30 minutes ou une heure, je crois, je sais plus exactement. Et en gros, dedans, on a des trucs, c'est bof, ouais. Mais c'est toujours des trucs gratuits à prendre. Du coup, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer sur le scénario. On va aller voir du coup la région 2. Sachant que tout est en vert. J'ai de la thune pour acheter une nouvelle arme. D'ailleurs, on va le faire maintenant. J'ai de la thune du coup pour acheter ça. Du coup, on va tester cette arme. La Barrowman. MK17, ok, ça fait un nom de gros bonhomme. On va acheter, du coup, on va améliorer. Ok, récupère la récompense, d'accord. On va tout améliorer. Du moins, je sais pas jusqu'où est-ce qu'on pourra améliorer. Ah oui, on arrive au stade fatidique des 5 minutes d'amélioration et qu'il faut attendre. Bref, je pense qu'on va pouvoir la tester. On va voir ce que ça donne. Du coup, on se lance dans le scénario. Je prends le pompe que j'ai mis du temps à avoir. Du coup, on va le tester, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais en gros voilà, pompe, il fait un peu de dégâts quand même, en général c'est du one shot tout simplement, il n'y a pas à chercher midi à 14h, en général ça one shot, ah bah voilà, ah j'ai pas eu le temps de lire, alors ça c'est les meufs qui sont rapides, voilà, vous voyez qu'effectivement ce nouveau pompe, relativement sympa, en vrai on va pas se le cacher, ça m'est, pardon excusez-moi, je suis en plein enregistrement YouTube en fait, et vous venez me faire chier là comme ça, je trouve ça vraiment pas sympa de votre part. Est-ce que le son est pas fort? Le son est un peu fort, je crois. C'est pas grave. Au pire, vous aurez le son un peu fort. Et est-ce que ça vous dérangera? Est-ce que ça vous dérangerait? Je parle même plus français. Je ne pense pas. Mais voilà, pour moi, le gros souci de ce pompe, c'est qu'en fait, il n'y a que 2 balles. Et du coup, on passe notre temps à recharger. Du coup, c'est sympa quand on veut one shot. Mais on passe notre temps à recharger. Et je vais me faire défoncer par le gros. Il va m'exploser à la gueule. Du coup, c'est un peu le souci du pompe pour moi, c'est qu'il n'y a que 2 balles. Du coup, on passe notre temps à recharger. Et c'est très pénible, on va pas se le cacher. C'est très très énervant. Notamment quand il y a des zombies rapides là qui arrivent. Bah, c'est galère en vrai. Ouais. Ils vont arriver par où? Ah, par là, ok. Ah, j'étais pas one shot, ok. My bad. Je pensais qu'on pouvait la tuer en un coup et on n'a pas pu. Enfin bref, je suis assez content de voir que c'était ma crainte, c'était de continuer sur le jeu et qu'en fait on se tape les mêmes zones. Parce que comme je vous l'ai dit, du coup je farmais le scénario illimité. Et en fait, c'était toujours les mêmes zones. Et j'avais peur qu'on, quand on avance dans le scénario, on se tape encore et toujours les mêmes zones. Visiblement c'est pas le cas et apparemment on va aller dans les tunnels. Oh, j'ai gagné une veste. Ah oui, on va tester ça, je voulais découvrir ça avec vous. Je vais découvrir ça avec vous, mais en fait, on peut mettre des équipements sur nos personnages. Alors attendez, je récupère tout ce qu'il y a dans les quêtes plus tard, mais j'adore le jeu. J'adore le jeu. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien ce type de let's play. C'est vrai qu'en fait, c'est pas le genre de truc que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Du coup, ça change un peu. Il se peut qu'il y ait des gens qui sont un peu déroutés et qui me disent gros, c'est de la merde, arrête. Et d'autres qui aiment. Et comment on fait pour changer de vêtements? Je ne sais pas. Du coup voilà, s'il y a des moments où effectivement je suis un peu perdu ou je sais pas trop comment vous annoncer le truc, c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire des let's play. Mais ce type de format de vidéo me plaît grave et je trouve pas, je mets des putains de vêtements sur mon personnage s'il vous plaît. Là je peux pas cliquer sur un truc? Je peux pas cliquer là, ok. Ok, je peux changer mes armes mais pas cliquer pour mes vêtements? Tu te fous de ma gueule? Attendez. Ah là je peux, ok, c'est ici qu'il faut faire, ok. Du coup on va mettre ça. Ça. Attends, à qui? Équiper, à qui? Ah je peux en mettre qu'un? Ah j'ai pas le choix. J'en ai qu'un, je peux en mettre plusieurs.
À l'enfer. Damn. Je peux en mettre qu'un? Tu peux pas avoir genre des chaussures et un sac banane? Foutez de ma gueule. Foutez de ma gueule, en vrai. En vrai, monsieur l'arbitre. Bon, c'est pas grave. Je vous pardonne. Est-ce que je peux installer la citerne? Je peux pas installer la citerne. De toute façon, on va continuer dans le scénario. C'était le but de cette vidéo. Je ferai les quêtes annexes en annexe de la vidéo, tout simplement, parce que vous avez vu qu'il y avait... On pouvait rentrer dans la quête annexe 9 fois. On va pas le faire ça en vidéo. Oh cool, il n'y a pas que des zombies. Les foresters ne vont plaire depuis trop longtemps. Tu rendras service à tout le monde. Il ne faut pas rester planté au même endroit. Ça rend vulnérable, dépasse-toi. Ok. Comme le JCJ. Joueur contre joueur. Et il me tire dessus, lui, il est vénère. Non, quel mensonge. Tire, 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 il a découvert. Quoi? Genre, il lui manque une balle, il lui manque une balle! Eh, c'est chaud quand même, hein. Bon, par contre, au bout d'un moment, meurt, non? Il est où l'autre mec? Ah, il est là-bas, d'accord. Je recharge et je m'occupe de toi, t'inquiète. Ah, bah, tout de suite, le tir à la tête, ça calme, hein. Ouais, ok, alors la mitraillette, elle est un peu bizarre quand même, on va pas se le cacher. Je vais prendre un kit de soin, on va pas faire les crevards, hein. Mais c'est qui ces mecs? Il y a une attaque de zombies et vous vous battez entre vous. Non mais elle a beaucoup trop de recul l'arme. Pourquoi j'ai pris cette arme? Pourquoi personne m'a rien dit? Non! Non mais c'est impossible de tirer avec cette arme. Dès que je tire un peu, ça se relève. Quel enfer! Comment tu veux que je vise? C'est la pire arme du siècle. En vrai, peut-être qu'améliorée, elle est bien, elle est stable. Mais là, c'est stable 0, genre 0 sur 20. C'est impossible. Amélioration, ok. Cadence de tir, ok. Dégâts, ok. Tir de rechargement, ok. Multiplicateur, ok. Mais pas de stabilité, visiblement. En vrai, l'arme est pas du tout stable. Je préfère le petit Uzi qu'on avait avant. Bah, de toute façon, là, ça va jouer aux pompes. Du coup, bah. On y va. D'ailleurs, le scénario commence à coûter 2 pièces. Enfin. Deux pommes, deux énergies du coup. Pour avancer, ça. J'ai peur que ça devienne très cher et que du coup on soit limité dans les quêtes qu'on fait. A voir. Tu trouveras les pièces de moteur qu'il nous faut dans ces véhicules. Ah non, c'est des pièces d'armes qu'il me faut. C'est des pièces d'armes qu'il me faut. Dommage. Dommage, dommage. Ah t'es pas mort? Ah t'es pas mort, ok. Si là j'irai d'arrêter de faire l'enfant et de mourir à un moment quoi. Exploseur en approche, ok. Ouais voilà, en fait le souci de ce pompe c'est pour les exploseurs. Exploseur, ça se dit? C'est français? C'est qu'en fait, voilà. Comme j'ai que deux coups, bah il va mettre du temps à mourir la petite bestiole en fait. Et du coup, je me fais souvent baiser. Attention aux sauteurs. Ah, c'est ça, j'imagine. Ah oui, ça saute, d'accord, ok. Comme son nom l'indique. Ah, il m'a eu. Non! Ah, ça commence à devenir chaud en fait. Ça commence à devenir un peu chaud. Je sais pas ce qu'on peut avoir comme. Est-ce qu'on peut avoir autre chose qui serait utile que des pièces d'armes dans le JCJ? Dans le joueur contre joueur? Parce que là, je pense qu'un des prochains objectifs, ça sera de farmer le joueur contre joueur pour justement pouvoir améliorer les armes. Parce que là, clairement, les armes, elles font pas le truc en fait. Enfin, c'est un peu galère. Je manque de puissance, je manque de pas mal de trucs dans les armes. Du coup, je pense qu'en vrai, prochain objectif, c'est de farmer le joueur contre joueur, histoire d'améliorer les armes, en fait. Je pense que ça sera ça un des objectifs principaux, hors des vidéos, en fait. Parce que là, je vais reprendre ça. Ah, t'as des renforts cette fois, pas la peine de revenir si tu laisses nos amis mourir. Bah, ouais, mais après, ses amis, ils sont nazes aussi. Ah mais en fait ça tire pas sur les zombies parce qu'il y a l'autre qui est devant. Quel enfer.
C'est mal fait ça, Lightbox. Lightbox, c'est vraiment bizarre. Ah, y'a Yojimbo qui est en train d'appeler. Attendez. Putain, on peut même pas record un épisode tranquillement. Vraiment, ces gens. Surveille, il est en train de spammer les appels sur Discord. Je pense qu'il s'ennuie, il bosse pas aujourd'hui. Du coup, il s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle. C'est gentil, hein. Là, je suis en train d'enregistrer. On va l'inviter. Je sais même pas s'il va décrocher. Parce qu'en fait. Non. Oh. Couteau. Yes, we're mort. Et en plus, Yojimbo appelle et ensuite ne répond pas. Allo ma poule, tu m'entends? Ah, t'es là, salut, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Mais t'es sérieux? Ouais, bonjour à toi, dis bonjour aux gens. Bonjour, attends, juste en fait, je t'ai appelé. Ouais. Mais t'enregistres quoi comme vidéo? Tu sais, mon let's play là sur ce nouveau jeu. Ah, d'accord, ok. Et eh ben, attends, bah ouais, faut qu'on parle d'un truc, mais on en parlera après ta vidéo du coup. Ah, c'est pour la partouze là à Strasbourg? Exactement, c'est pour la partouze à Strasbourg. Donc ouais, okay. Voilà, vous êtes conviés bien évidemment, venez nombreux. Et nombreuses. 5 euros l'entrée. Pensez ouais. À prendre des préservatifs parce que sortez couvert. Et puis voilà. Mais sinon, bah, plein de gros bisous à tout le monde. Hein. Ok. On s'appelle tout à l'heure du coup. Et bah ça marche. Bah, bonne vidéo mon lapin. Ouais, plus salut. Et attends, et bisous. Ouais, bisous, ouais, salut. Bisous. Voilà, bisous. Voilà, hein, il est gentil, hein. On l'aime bien, on l'embrasse. On va se remettre du coup de la musique et du son. Évidemment, c'était une blague pour la partouze. Hein. Alors, il faut que je retente du coup la mission, je suis mort en fait. J'ai pas vu l'espèce de sauteur m'avait buté. Quelle tristesse. Alors, en fait, ouais, il faut que je repasse sur la SMG parce que là, cette arme en vrai. En fait, il faut que je fasse gaffe à ma vie et à la vie de mes potes. Et là, je peux pas lui tirer dessus en fait, le truc aux zombies. C'est ça le problème. C'est qu'il y a l'autre mec qui est devant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Découpler avec ton épée, bah quoi? C'est pas une épée? Hein? Ah, d'accord. C'est la référence à The Walking Dead, je pense. Ok, vas-y, petit couteau. La référence à Michoum, c'est ça, il s'appelle comme ça dans The Walking Dead. La nana qui a l'épée là, le sabre, elle s'appelle comme ça, c'est ça. Est-ce que je pourrais pas acheter une grenade? Ouais, vas-y. Ah merde! Non. Non, mais il s'arrête jamais lui! Ok, c'est bon. Quel enfer! Mais du coup, j'ai niqué des couteaux! J'ai niqué des couteaux, une grenade pour ça! C'est pas cool! Est-ce qu'on va arriver à la. Ah! 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 Ok. Ok. Du coup. Par contre, là, il nous dit que c'est dur. Et que je peux pas l'améliorer parce qu'il faut le centre-ville de niveau 4. Mais j'ai pas le centre-ville de niveau 4. On va tester. Si c'est trop dur, du coup. Ah, je peux pas du tout. Ah, il me dit non. Il me dit non. Il me dit va te faire. Tu peux pas? Pas assez de puissance d'arme. Ah, mais ma vie, c'est de la merde. Il faut que j'améliore ça. Ok. Ah, il me faut une citerne. Ah, mais je peux la faire la citerne. Je peux faire la citerne. On va se faire un JCJ du coup. J'avais dit qu'on le ferait pas, finalement on le fait. On a un téléchargement. Vérifier ta connexion internet. Non, mais ça télécharge. Je suis sur internet. Il télécharge et il ose me dire vérifie ta connexion internet. C'est quoi? C'est comme si tu t'allais faire tes courses, ta carte bleue elle passe, c'est payé et la caissière a dit vérifie ta carte bleue du con. J'avais pas d'exemple en fait. J'avais pas d'exemple concret. Par contre, on change cette arme de mort. On va changer. Bah non, on va juste toucher pour changer. Changer et on va du coup rester là-dessus. C'est bien mieux cette arme en vrai. La petite SMG. On va tenter un duel en 1v1. D'ailleurs, 1v1 situation.
On va tenter ça et après ça sera la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos courtes en fait. Sauf si ça vous plaît d'avoir des vidéos de plus de 20 minutes. Mais en vrai, je pense qu'il faut s'arrêter un peu avant. Genre 18 minutes, c'est bien. Pour un let's play, 18 minutes, c'est bien. Ça le trouver, recherche d'adversaire. Ah! Alors si c'est long, je vous ferai un cut. Si c'est pas long, je ferai pas de cut. C'est pas long, du coup pas de cut. Voilà, j'ai à peine fini l'explication que je me trouve quelqu'un. Si ça c'est pas génial, je sais pas ce qu'il vous faut d'autre. On arrive du coup contre un... On est tous les deux level 25. Il est où? Ah d'accord, ok. Non, il lui manque une balle, il lui manque une balle, il a un HP. Ok, il est mort. Il respawn ou pas? Ah, il respawn. Ah, mais il a genre un espèce de shield. Ah, c'est compliqué quand même, hein. C'est plus dur que tuer des zombies. Ok, il est mort. Mais ouais, c'est ça, il a un shield au début. Un bouclier. Non, damn, Daniel. En fait, il y a des positions stratégiques à adapter. Parce que là, il est clairement dans ma ligne de mire. Ah, ça dure 5 minutes! Oh le salaud! Oh le salaud! Y a pas un kit de soins quelque part? Oh il est mort, ok. Ok, bah j'ai gagné. Ouais, ok, d'accord. Alors par contre, du coup, c'est le côté pay to win, soi-disant, du jeu. Où il va falloir du coup améliorer à fond ses armes pour pouvoir du coup gagner, je pense. 4-0, GG à moi, merci à moi. Du coup, qu'est-ce qu'il me demandait déjà pour ça? Il te faut citerne et la citerne est ici dans 1 minute 30. Ok, on va aller voir le shop du coup de JCJ, du joueur contre joueur, voir ce qu'on peut acheter. Ah, ça! En réserve 2, tu en possèdes 0 et ça coûte 600! C'est cher quand même! Attends, 600 et il m'en faut combien pour mes armes? Où est-ce que je vois mes armes déjà? Purée, je l'ai perdu encore. Ah, c'est là. Non, c'est pas cette arme. C'est pas cette arme, c'est le pompe. C'est le pompe qu'il faut que j'améliore. Celui-là. Il en faut 8! 8 fois 600? Calculez chez vous. Mettez la réponse dans les commentaires. Mais il m'en... Ouah la vache! Mais je vais passer mon temps à faire du joueur contre joueur en fait. J'ai eu que 50 points là. Ah, peut-être qu'en fin de semaine... Voilà, peut-être qu'en fin de semaine on a des récompenses. Ah, mais du coup par contre les balles c'est que pour les premiers quoi. Ah, faut être grade 10 et on en a deux. Ouais, ok. Ok, pourquoi pas. C'est pas si pay to win que ça, du coup on peut selon le grade qu'on a du coup en JCJ s'en sortir. Enfin voilà. De toute manière il va falloir que je forme le JCJ pour avancer dans le scénario. Parce que là j'ai pas le choix. Je peux par contre améliorer le centre-ville, du coup on va le faire, améliorer. Et on est parti pour 25 minutes. Mais ouais, du coup en fait bah à moins que. Est-ce que je peux prendre ça ou pas? Peut-être que si je prends ça, ça passe. Ça passe pas, j'ai pas assez de puissance. Et je peux pas en acheter un parce que c'est 150 gold. Et j'ai pas les 150 gold. Et ça, ils me disent améliore le centre-ville pour débloquer cette arme. Et les autres, c'est pareil. Plus on monte et plus c'est cher. Du coup, un peu dommage. Enfin bref, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, j'avais dit un peu moins de 20 minutes. On est à 20 minutes.
Ouais, je pense vous refaire un épisode dessus du coup. Pourquoi pas un dernier épisode, un quatrième, un dernier épisode. À moins que. Parce qu'en fait, il y a des clans en fait. À moins que j'arrive à rejoindre un clan et que ça se passe bien. D'ailleurs, il y a un clan qui est à 14 sur 20. Mince, il est parti. Et il n'y a que des clans allemands, j'ai l'impression. Enfin, allemands ou pays environnement. À l'Allemagne en fait, tout simplement. Bref, je vous dis à la prochaine du coup. Je vais farmer pour pouvoir avancer dans le scénario. Pour pouvoir avancer dans la région 2, qu'on puisse tester ça. D'ailleurs, j'ai encore des trucs à ramasser. Ça ne s'arrête pas. Et voilà, du coup cet épisode vous a plu, si je vous a plu vous me le dites, je continuerai les let's play là-dessus. Si je vois qu'il y a un peu moins d'engouement avec le temps, etc. et que bah, les gens commencent à se lasser du jeu, j'arrêterai. Pourquoi pas faire une pause parce que clairement le jeu me plaît, j'aime bien l'interface du jeu, j'aime bien la manière dont on joue, j'aime bien ce qu'il y a à faire dans le jeu. Et voilà, du coup je vous dis à la prochaine YouTube, bonne journée ou soir à vous, comme d'habitude, peu importe ce que vous voulez, peu importe où vous regardez la vidéo. Et voilà, salut salut, bye bye.